Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo permet de nettoyer les fichiers du Service Pack 1 qui pourrait permettre de gagner 1 giga ou 2 gigas du disque dur. Comme beaucoup de personnes, vous venez d'installer le Service Pack 1 de Windows 7. Or, comme à son habitude, Windows crée un petit fichier de backup au cas où vous déciderez de ne plus vouloir de Service Pack 1. Donc le désinstaller bien sûr et tout. Que vous voudrez mettre un autre Windows donc qui requit d'autres service packs. Et qui pèse au moins 1 ou 2 go selon les versions et ne jamais effacé par Windows. Donc on va essayer de l'effacer. Je vais vous faire montrer deux méthodes. La méthode la plus simple. On va aller dans démarrer. On va taper CMD. Il faut les exécuter en tant qu'administrateur, pardon. Hop. Donc voilà. Vous allez écrire DISM espace tiret onlines espace hop keynup. Regardez bien ce que j'écris parce que faut pas se tromper. Petit tiret image espace hop SPS upper CD. Et puis vous avez juste à valider. Voilà. Je réfléchis si je ne suis pas trompé. DISM yes online clip image. Ah voilà, suppression des fichiers de sauvegarde créés par l'installation de Service Pack. En fait, faut attendre. C'est en train de se supprimer. Bah normalement, je crois que ça devrait être supprimé là. Étant donné qu'ils disent plus rien. Ah, il faut attendre que le petit message s'affiche, l'opération a réussi. Donc tant que le petit message qui dit opération a réussi n'est pas affiché, ne fermez pas surtout. Normalement, ça devrait vous permettre de trucs. Cette petite astuce va durer assez longtemps, j'en suis désolé. Mais voilà. Je vais vous passer vite fait un petit message pendant que c'est en train de se faire. Abonnez-vous, likez et mettez un petit j'aime. Donc si ça vous a aidé de gagner quelques go, dites-le. Et tout. Si vous avez un petit problème ou je sais pas quoi, dites ça par commentaire. Sinon, ajoutez-moi comme abonné sur Twitter. Peut-être que bientôt je me créerai une petite page officielle Facebook pour ma petite chaîne, comme ça vous pourrez aller liker et tout là-dessus et partager. Sinon, très bientôt je vous ferai une petite vidéo pour présenter un serveur en Minecraft que j'ai créé juste là où je suis en train de faire les trucs. Le serveur Minecraft possède 2048 mots de RAM. Les slots sont illimités, donc tout le monde peut venir. Pour l'instant, j'en ai mis que 100 parce que trop, ça fait beaucoup laguer. Et il y a les plugins principales et tout, Volédit, Vocuar, Essentiel et tout. Bref, je vous explique pas tout de suite, parce que sinon ça va passer trop de temps. Si dans les 2-3 minutes ça s'affiche rien, j'éteins moi. Bah tiens, pendant que ça se met, pas perdre trop de temps, je vais vous présenter vite fait la méthode 2.
Méthode 2, vous allez dans menu démarrer, vous allez sur ordinateur, 2 secondes, c'est juste que j'ai mis, ah voilà, il y a un petit truc qui s'est affiché, voilà, suppression du parquage Windows, là ça met un petit truc qui dit, qui affiche, là. Bref, pendant que ça se fait, hop, ordinateur, vous cliquez ici, propriété, nettoyage de disque, pendant que ça se fait, on va aller regarder là, hop, à 100%, que le truc qui est affiché opération réussie, ne vous quittez pas. Le truc, ça peut peut-être prendre un peu de temps, ça dépend de combien ça fait pack 1 après de go sur votre disque dur. Ça dépend. Je suis à combien de minutes? 7 minutes 2. Ok. Donc voilà. Allez. Reste 3. J'ai pas 10 ans moi. Et j'ai pas 6 ans. Non, je colle. Bon, la deuxième étape, normalement, vous devez la connaître. Donc je vais l'annuler. Hop. Hop. Donc voilà. J'espère que voilà. Donc je vais pas tout faire montrer tant que ça se fera pas, mais c'est pas grave. Dès que c'est mis, l'opération a réussi, c'est bon, vous pouvez quitter. Allez, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde.